I'm here. Tiens, une petite chute libre. Sont morts ici. Et quand on meurt, notre esprit est toujours. Je vais refaire les murs avec mon sang. Oups. J'aurais dû les buter tout de suite aux deux. D'ailleurs je pense qu'ils sont... Non, ça c'est qu'il n'y en a pas plus. Je m'attendais à 4. C'était trop barbare. Prudemment. Je vais faire approcher. Comment tirer les cons. Putain de merde!
juste là, juste là. Je fais découvrir le paradis. On arrive à la fin de cette mission. Andrei Kobin, tu disais un truc au sujet de ma fille, non? Rien, non, mais je déconnais, mec. Je suis désolé. Je te jure, je suis désolé. Si t'es désolé, alors dis-moi pourquoi tu l'as tué. Plutôt crevé. Tue-moi si tu veux, je dirai rien. Moi je vous suggère de jouer au piano avec sa petite tête. Très délicatement, bien sûr. C'était un contrat. On m'a filé une photo. On m'a dit de livrer un corps. J'ai rien fait d'autre que de le livrer. C'est qui ce on? Pour qui est-ce que tu bossais? Je peux rien dire. Je bosse encore pour eux. Ils vont me buter si je parle. Bon bah. Si j'étais toi, non, ce serait pas pour eux que je m'inquiéterais. Mais t'es aveugle, Fischer! Ces types sont très puissants! Les enjeux sont énormes! Tu piges pas! Ils savaient que t'allais venir! Ton arme, Fischer! Ou des Splinter Cell. Sam, tu dois les suivre. Dans tes rêves. Fais-moi confiance sur cela. J'écouterai ce que dit la dame si j'étais toi, Fischer. Je l'écouterai, je te jure. Mais c'est tout un tas de trucs qui pourraient vraiment t'intéresser. Putain, c'est pas trop dur. Les mains en l'air. Pas de mouvement brusque. Piégé par des Splinter Cell. Central, ici Faucon 1. Nous avons la Panthère et nous sommes prêts à rejoindre la base. Ok, Grim. Essaie de me piéger et tu vas le regretter. Oh là là, quel homme! Il donne un coup de pompe pendant que je... Faut en avoir du courage, je pense. De la belle au bois dormant là. Ouais, c'est pas faux. Bonjour à tous, c'est à position à côté de son hélico. Donc on se retrouve pour la mission numéro de près 3 par rapport à l'histoire. Ouais, je sais, Oscar, je sais. Mais Reed n'est pas un homme patient. Colonel, désolé d'insister, mais j'aimerais vraiment qu'on discute de mon salaire. Vous croyez que c'était Cobin qui s'en chargeait? Ouais, mais avec tout ça, j'ai dû embarquer plus de passagers et de matos que prévu. Et le vol a été plus long, alors... Écoutez, Oscar, parlez-en au colonel Reed.
Il s'en occupera. Bref. Quelqu'un voulait parler à Sam. C'est pour ça qu'ils se sont donné la peine de le piéger à Malte, chez Cobin. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont drogué et rapatrié aux US. Il valait mieux pour eux qu'il soit bien tranquille à la livraison. Parce que sinon, je crois bien que Sam Fisher aurait démoli cet endroit à main nue. Il se réveille. Le kérosène, c'est pas gratuit. Commandant Robertson, faisons vite. D'après le planning, vos hommes doivent être en position. Nous sommes opérationnels, monsieur Reed. Le déploiement a commencé à 9:00. Bien, continuez sur votre lancée. De mon côté, je retourne à échelon 3 pour m'occuper du reste. Oh, nos hommes savent ce qu'ils ont à faire. Je suis certain. Si vous voulez bien nous excuser un instant, je dois m'entretenir avec Anna Grimstotir. Une vieille affaire réclame notre attention. Bien sûr, commandant. Ok, le paquet est à vous. Vous l'avez conditionné à Malte, à vous de lui faire déballer ce qu'il sait sur les IEM. Je veux savoir comment Fisher est au courant et pourquoi il s'en est pris à notre ami Cobin. Ça peut prendre du temps, Tom. Il est très entraîné aux interrogatoires. Utilisez tous les moyens nécessaires. Rogue ou autre, ça m'est égal. Cuisinez-le, puis supprimez-le. Mais faites ça proprement cette fois-ci. Je tâcherai de m'en souvenir. Autre chose ? Mettez-vous au travail. Et appelez-moi quand vous avez quelque chose. Je serai au plus vite. Voilà, on se retrouve après avoir été capturé par l'ancienne société de Sam Fisher. Écoute-moi attentivement. J'espionne échelon 3 à la demande de la présidente Caldwell. Le nouveau directeur, Reed, bosse pour nos hôtes, une société militaire privée, appelée Black Arrow. Leur réseau de matos IEM russes volés transite par Malte. Mais Reed a assez de pouvoir pour empêcher toute enquête sérieuse. Reed peut gêner la présidence ? Il est soutenu politiquement, mais on n'en sait pas plus. Caldwell a fait jouer les réseaux officiels, mais sans arriver nulle part. On est sûr qu'ils sont sur une opération d'envergure, mais on ne sait pas ni où, ni quoi exactement. Vraiment ? C'est pour ça que t'es sur le pied de guerre en ce moment, hein ? Arrête ! J'ai besoin de toi. Si je bouge un cil, je suis grillé. Mais toi, comme tu n'es plus actif, tu peux faire ce que tu veux. Je suis trop vieux pour ce genre de truc, Grim. Genre, dis ça au type que t'as descendu à Malte. Ok, ça doit être crédible, sinon c'est fini pour moi. Ils doivent croire que tu t'es échappé. Frappe-moi. Fais ce que tu as à faire. Pas les femmes. Grim, je te le répète, ça ne m'intéresse plus. Ah bon. Pourtant, ça n'a pas vraiment pris longtemps. Le simple fait d'évoquer Sarah et tu replonges, mon vieux. Tu sais quoi sur Sarah ? Méchante claque, là. Je sais qu'elle est en vie. C'est un bon début, non ? Tu mens. Sarah est morte. Lambert m'a dit qu'elle était morte. Et je lui fais confiance. Elle est vivante, Sam, et je sais où elle est. Et je l'ai toujours su. Pourquoi est-ce que je te croirais ? Tu mens. Mais t'inquiète, Sam. Tu m'aides, tu reverras ta fille. Tu m'aides pas, je ne peux rien pour toi. Fais très attention, Grim. Si tu me mens, je te tuerai, tu comprends? Je n'hésiterai pas. Sam, je te mens là-dessus depuis des années.